Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo sur Tales of Berseria. Dans l'épisode précédent, je l'avais fait. Oui, on avait retrouvé le premier, ce qu'on peut considérer comme le premier boss du jeu, et on lui avait gentiment explosé la face. Donc par contre, comme j'ai dit, j'ai farmé un peu, et puis j'en ai profité aussi pour regarder un peu... Bon, j'ai pas encore tout à fait compris le système d'Arte. Donc ça, on va dire que c'est totalement désespérant, donc bon. Voilà, ça on va dire... pour le moment, j'ai pas encore regardé. LOL. Mais je me renseignerai à plus tard sur les Arte. Je vais passer la difficulté en difficile aussi, parce que pour le moment, je trouve que c'était quand même un peu facile, donc bon. Je me suis dit, on va tester en difficile, si jamais ça bug, si jamais ça bloque, blablabla. On passera. Et j'ai compris un truc de plus sur le système de jeu. Qui est, en gros, que j'ai vu qu'on avait un système un peu à la Final Fantasy 9 avec des maîtrises sur les compétences. Parce que vous voyez, l'expertise maîtrisée. Et donc, ça fait que si je vais dans compétences équipement... On voit qu'il y a des compétences que les compétences qui sont là, en fait, les compétences que je maîtrise sont obtenues définitivement même quand j'abandonne le matériel. Donc du coup, c'est assez intéressant de switcher de matériel souvent pour essayer au maximum d'avoir de plus de compétences, je pense. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai passé mon niveau 9, c'est ce que j'ai fait, j'ai changé pas mal d'équipements, puis sort de... Par exemple, là, je vois que j'ai maîtrisé la compétence concentration plus 5 liée aux bottes de combat. Et bah du coup, ce que je vais faire, c'est je vais équiper les bottes d'ambre, histoire de pouvoir avoir la compétence temps pendant lequel vous ne pouvez pas utiliser d'objets réduits de 12%. Voilà, histoire d'avoir cette compétence. Hop. Ça, c'est bon. Ah. Merde. Du coup, les deux auraient besoin de bottes d'ambre. Bon, c'est pas si grave que ça. Et par contre, j'ai eu la réponse à ma question aussi. Effectivement, les esprits de Minouz réapparaissent en boucle. C'est pas que j'en rate, c'est qu'ils réapparaissent en boucle. Donc, c'est pour ça que j'en voyais énormément. C'est parce qu'en fait, ils réapparaissent au fur et à mesure que je les ramasse. Qui fait qu'effectivement j'en ai quelques-uns. Personne à qui parler ici. Koko nannen ka wa shiroi yuki ga futte tasukaru wa. Yuki ga shiroi no wa touzen desho. Bu. ヘラビーサじゃ当たり前じゃないの。風向きと火山の調子によっては火山灰が混ざった灰色の雪が降ることがあるのよ。四国に火山なんてあったか？あるのはもっと北の方なんだけど、ミッドガンド王国内で一番大きな火山だから、遠赤もそのキララウス火山で取れるのよ。っていうか、そこでしか取れないんだって。キララウス火山？なかなかすごそうだな。ベルベットは火山を見たことあるか？ないわ。 Hop, et donc on va donner la queue qu'on lui avait coupée parce que je rappelle qu'on l'a épargné. あいつをやったのか。タールの沼にはまって死んでるのを見つけたの。これしか持ち帰れなかったわ。本当か。疑うのは自由だけど、嘘でもゴーマの体を持ってこれるやつがいる。確かに。じゃあ。 船の修理をお願い。そうはいかん。テレサ様から。あれ、しょ。急いでって言ってるの。密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょ。お前。取引を。浜辺の船を直してくれれば黙って出ていく。分かった。船代から手配する。浜辺でお茶を。おい、ベルベット。
いい機会だから武具屋で装備を強化していこうぜ。装備を強化。城の井の子？ええ。故郷ではやってなかったか。なら、なおさらちょうどいい。やってこうぜ。ちょ、あんたって結構強引よね。おう、推しの弱い男はモテないからな。 Je me demande si on va retrouver notre sorcière bien-aimée. Pof pof pof, gonfle ses statistiques et donne une chance d'activer un bonus d'amélioration. Ah! Et donc plutôt que de revendre, faut mieux le démanteler. Ok. Le nombre de matériaux nécessaires augmente avec un... Attends. Pour améliorer un objet ainsi que leur qualité, augmente avec la rareté de ce dernier et le nombre d'améliorations qu'il a déjà subi. Pour obtenir des matériaux de qualité, démantelez de l'équipement amélioré. Ce cycle vous permet de créer de bonnes pièces. Ah d'accord. Donc faut améliorer pour démanteler pour ensuite pour le démanteler pour ensuite pour améliorer encore plus les suivants. Normalement ça va, c'est pas l'air compliqué. Et puis surtout, j'ai vu que ça me permettait de débloquer des compétences de plus à maîtriser. Alors, démanteler. Améliorer, pof. Hop, on démantèle, on améliore. Et on voit qu'il y a encore des bonus d'amélioration. Intéressant. Mais donc maintenant, par exemple, mettons que je fasse ça, lame d'ambre. Et que j'équipe la lame d'ambre plus 2. Ah non, ça me donne pas des expertises supplémentaires, d'accord, pardon. J'avais pas compris, je croyais que c'était des expertises supplémentaires, mais en fait, il n'y a qu'une expertise, donc. Ok, bah donc en fait, c'est même pas nécessaire, en fait, je sais pas. Je pense qu'il faut mieux pas trop améliorer et puis se contenter de switcher d'équipement au maximum.
Je vais voir s'il me donne pas des trucs intéressants. Dague d'ambre, je crois que j'en ai une. Je regarde en fait un truc. Gilet d'ambre, habit de combat, d'accord. Vendre. Ok, c'est bon, je commence à... Ok. Bah du coup, je pense que maintenant, il faut juste se barrer tranquillement de la ville, non? D'accord, donc j'ai fait des conneries en améliorant à fond mes lames d'ambre, mais au moins maintenant on a compris que ça servait pas à grand chose et que, enfin au niveau des expertises, et que du coup c'était peut-être pas worth it, ça valait peut-être pas le coup au début. Au début, je pense que j'améliorerai plus vite mon perso en essayant de fermer justement les compétences. Plutôt que de le faire à la fin en toute une fois. それで問題が解決するわけじゃない。船をまともに操れなきゃ、また難破するだけだぞ。航海士なんて探してる暇はないし、かといって定期船は許可なしじゃ乗れないわ。俺たちだけでなんとかするしかないってことか?だが、俺の操船の腕は萌えの通りだぞ。無理強いはしないわ。一人だってやるだけよ。どっかにフリーの航海士はいないもんかな? J'en connais un. Un que vous avez épargné. Éventuellement, ça pourrait être utile. Ça va, ça m'a pas coûté tant d'ombre que ça pour tant d'argent que ça pour tout améliorer. Par contre, j'aimerais juste vérifier un truc. Ah oui, c'est voilà, c'est ça que j'aurais dû faire, c'est acheter des bottes d'ambre. Bon, allez, c'est pas grave. Oui, j'ai aussi, pendant que je farmais, j'ai aussi appris à pratiquer un style un peu plus agressif où je me sers énormément, beaucoup plus de mon truc brisolien, je crois que c'est. Ah oui, et puis aussi, enfin, dernier truc, c'est qu'il y a un truc qui sont des... comment on pourrait appeler ça? Des titres qui donnent des compétences supplémentaires. Et donc voilà, mais donc on les a en améliorant son personnage petit à petit, donc pour le moment on verra. Donc temps passé dans les menus, il faut que 60 minutes dans les menus, 40 minutes au combat, voilà, et en gros une fois qu'on débloque ça, on le débloque et puis une fois on peut les équiper, ça me donne des trucs. Donc on verra. Enfin, bon. Vous voyez, franchement, le monde difficile pour le moment, ça va. Et je veux dire, même le boss de la dernière fois, franchement, j'aurais pas été con et je me serais servi de mon brisolien, je suis sûr que ça aurait été beaucoup mieux. Bon, sauf que j'y avais pas pensé. Parce que je suis bête. Mais par contre, effectivement, je pense que le jeu va demander beaucoup de farm parce que bah, les compétences, vous voyez bien que c'est long à monter. Parce que par exemple, pour équiper, pour pouvoir avoir définitivement la compétence liée à mes trucs d'ambre, faut faire 66 combats, ce qui est long.
Mais bon, donc je pense que je fermerai peut-être de temps en temps en vidéo. Après tout, on peut aller jusqu'au niveau 200, je crois. Aïe. Tu me saoules. Non, t'arrives pour toi, meurs aussi. Voilà. Ah, il y a pas mal de monde quand même. Aïe. Par contre, le loot est énorme dans ce jeu. Bon, heureusement, j'ai l'impression, vu tout ce qu'on va avoir à démanteler pour obtenir, pour améliorer notre équipement, mais c'est vrai que par contre, on loot énormément. Ah oui, voilà, je voulais voir si avec lui on pouvait sauter par-dessus le trou. Par contre, voilà, il y a un truc que je voudrais faire, ça ce serait apprendre à maîtriser les faiblesses des ennemis, parce que pour le moment c'est vrai que je suis un peu dubitatif face au système. Mais bon, après voilà, déjà j'ai commencé à comprendre pas mal sur le système de up des personnages. Il suffit de regarder petit à petit, d'apprendre tranquillement, et puis il n'y a pas de raison que ça passe pas. On peut rien faire. Bon, bah au moins on est au courant. ベルベット、お前が殺すとゴーマは人間に戻るのか？は？どういうこと？海岸で襲ってきたゴーマのことだよ。死んだろ、人間に戻っただろ。今まで俺が切ったゴーマは死んでもゴーマのままだったから、ちょっと気になってな。ゴーマは死んでもゴーマのままだ。けど、私が殺した2個や村の人たちは。 ゴーマの方に当たり外れがあるのかな。くだらない。死体がどうなろうが意味なんてないでしょう。だな。死んだ後に当たりが出ても仕方ない。重要なのは食らったゴーマが私の力になること。それだけよ。 Et hop, on est rendu au point de quête. Nickel. Dame nana, Konofune wa. Ryukotsu ga ichimatte ru. Atarashii fune o tsukutta hou ga aoi ze. Ryukotsu? Hito de ieba, sebone ga oreta jōutai tte koto da na. Daitai nan de konna tokoro de zashou shita? Futsuu wa arie nai zo.
直せないことは分かった。どうする？町で新しく船を手配させるか。それしかないか。その時間があればいいけど。Avant quoi？偉大なる聖主、カノの主に願い立てまつる。カノ者の幸運の栄光を。我が名はそのための贄なる礎なり。姉上。まあ、オスカー。突然どうしたんです？ Frère et sœur？ Bon, en même temps, ils se ressemblaient。その傷は何があったのです？ゴーマに不覚を取りました。その件で本部に召喚される途中に寄ったのです。かわいそうに。痛みますが、まだ戦います。この傷は我が未熟さの戒めとしましょう。Elle t'apprendra à baisser la tête la prochaine fois。いえ、左手でこちらの力を喰らい、打ち返す力を持ったゴーマです。見た目は燃えるような瞳をした黒髪の女性なのですが、油断すれば一刀でも危うい相手です。どうかお気をつけください。あいつか。J'aime bien juste parce que j'ai des cheveux noirs。わかりました。 C'est tellement gratos。 大丈夫、この程度の失策、何ほどのこともありませんよ。実は姉上にそう励ましてもらいたくて寄ったのです。つけてくれているのですね、その耳飾り。もちろんです、あなたがくれたものですから。思った通りだ、姉上によく似合う。ではアンビアンス très Lannister。 Par contre je sens qu'elle va faire une connerie et vouloir s'attaquer à nous alors qu'elle fait pas le poids。密航者を捕らえました。濡れ衣じゃよ、許可を取らずに乗っただけじゃのに。女ゴーマの仲間ですね。あの者はどこです？このマギルー様に拷問は無意味じゃぞ。何でもペラリと喋るからな。C'est quoi ce garce? Bon, bah, du coup, je suppose qu'on va devoir. Voilà, voilà. C'est quand même assez vénère les combos avec le truc de Briselien ou de Brisam. Brisam, Briselien, je sais plus. Attendez.Ah voilà, Brisam. Je me souvenais qu'il y avait une compétence où justement il faut utiliser beaucoup de fois le Brisam. Bon, après, c'est pas pour ça que je m'en sers, c'est surtout parce que ça fait des dégâts de malade. J'avoue. そんな悪い奴がいるのね。町には近づかない方がいい。テレサ様がよく使われる手だ。悪党の仲間をおびき出すためにな。悪党はお互い様でしょ。だから忠告した。テレサ様は一等大魔士のトップクラスだ。悪いことは言わん。
今のうちに逃げろ。魔女ってマギルーだ。清涼に気づかれたわね。抜け道も見つかったと思った方がいい。船の手配ももう無理だな。手配できないなら奪えばいい。奪うって、ヘラビーサの船をか。こっちは二人だぞ。まだ協力できるやつがいる。ダイルか。あいつは航海士だって言ってた。仲間にできれば。じゃあほら。そうかもしれんが、マギルはどうする。それは清涼次第ね。Traduction, je m'en fous. ダイルの洞窟に行くわよ。すまん、マギル。成仏しろよ。Comment qu'il l'enterre ? Comment qu'il l'enterre direct ? C'est magnifique. Et par contre, je maîtrise toujours rien, parce que c'est vrai que j'ai pas vérifié depuis longtemps. Dans 5 combats, je maîtriserai ça. Dans 2 combats, je maîtrise ce truc. Omae te tettei shite ru yo na. Nani ga? Koudou ga da yo.ダイルを利用し、商船組合を脅し、マギルーを見捨てる。自覚してるだろ？別に見捨ててない。気にしてないだけよ。やっぱり徹底してるな。よくわからないやつだけど、マギルーはそう簡単には殺せないわよ。第一、あいつはこっちの手の内を全部清涼にばらしてるはず。それはそうかもな。だから。あいつも知らない手札が必要なのよ。例えば死んだはずのゴーマとかね。さて、歯をもうひと研ぎして仕上げておくか。ブレードの手入れはしてるのか。なんなら一緒に研いでやるぞ。いい。命綱を気安く人に預けるなと教わったから。おお、なかなかいい師匠に巡り合ったんだな。俺が研ぐ必要はないが、手入れはこまめにしておけよ。教えるまでもないだろうが、研いだ後はクローブ油を塗って羊毛で拭くようにな。それも教わったわ。弟を殺したあの男。Et toujours aussi vénère en trois ans.Bon, par contre, là, je pense qu'on va un peu rusher parce que merde, quoi. Hop, par ici.Le truc que j'aimerais bien croiser, ce serait, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était l'espèce d'ennemi que j'avais fui, l'espèce de grosse chauve-souris. J'aimerais bien la recroiser parce que maintenant que je me sers plus du brisé mais que je comprends un peu mieux le système de jeu, c'est vrai que j'aimerais bien essayer de le raffronter. Il était à droite? Non. Je vais essayer d'aller voir à droite vite fait si je le recroise. On va essayer de se le faire.Ok, pour le moment, aïe.
Ouais, il est quand même bien résistant. Après, je suis en difficile aussi, je rappelle, alors que la dernière fois j'étais en facile. Ah là, il est chiant, il résiste à tout. Et puis surtout, il garde contre tout. J'aimerais bien l'assommer une fois histoire d'avoir un quatrième point histoire de pouvoir lui faire un... Ah, il garde tellement. Ok, alors là c'était magnifique. Elle a tout fait dans le vide, j'ai pas compris pourquoi. Dommage. Un peu trop puissant pour moi, je pense. Pof pof, bon bah on continue tranquillement d'avancer. Par contre j'aime bien comment ils la connaissent à fond Marilou. Elle a déjà dû dire tout ce qu'elle savait. Oui oui, effectivement. Ça va bien se passer avec eux. Mais pourquoi elle frappe si vite? Pratique quand même. C'est quand même pratique le brise-âme. J'étais en PV, paf, toute ma vie récupérée. Quasiment. Non, mais... 戻ってきやがった。事情が変わった。あんたの襲撃に手を貸すわ。ずいぶん勝手言うじゃねえか。仕方ないでしょ。ゴーマなんだから。
ちげえね、ゴーマになって初めて笑ったぜ。だがいいのか、自殺行為だぞ。そうならない作戦がある。今タイマシたちは人質を取って私を町に誘い込もうとしている。なら倉庫に通じる抜け道から攻め込めば。ダメよ、多分敵はそこで待ち伏せている。だから逆をついて正面から切り込む。そんなのが策か。正面はおとりよ。敵を正面に集めたところで別動隊が抜け道から港を襲い船を確保。正面から切り抜けた隊と合流して船で脱出する。あんたには操船を頼みたい。ダンボシモンギャ、聞かせろ。誰が正面から攻める？もちろん私が。いいだろう。結構は明日。それまで一休みさせてもらえる？お好きなように。タールのベッドの寝心地は最高だぜ。ジェニアル。お姉ちゃん、お姉ちゃん。ラフィー、うなされてたよ。怖い夢でも見た？すごく怖い夢だった。ねえ、話してよ。僕、行かなきゃいけないんだ。行くって。C'est quoi qu'il y a dehors? 沈めの祠。アーサー兄さんが来いって。行っちゃダメ！ライフジェット！あいつは、アルトリウスは！大丈夫か？ひどくうなされてたぞ。平気、何でもないわ。付き合わなくても恨まないわよ、別に。そうはいかん。お前が死んだら恩が返せない。変わってるわ。そうかな。だが俺はこうなんだ。ベルベット、アルトリウスって誰だ？仇よ、弟。準備は済んだ。ダイルは出口で待ってるはずだ。出発しましょう。オッケー。 Bon bah c'est parti pour l'attaque, mais je pense que l'attaque on la fera dans une prochaine vidéo parce que j'ai envie de la faire d'un coup, j'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu, et comme on est déjà à 40 minutes de vidéo, je pense qu'il y aurait de fortes chances qu'on s'arrête en plein milieu. Donc, je vais la faire tout de suite, je pense. Je vais enchaîner sur les deux vidéos parce que j'ai envie. Donc en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, et puis moi je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur... J'ai oublié. Lol. Sur Tales of Berseria. Allez, à plus tout le monde, bye. J'ai toujours pas d'autres bottes d'ambre, j'en ai pas d'autres. Allez, bye. Ah, oui, forcément, ça veut dire d'aller cliquer si ma souris reste coincée dans ma fenêtre.